occhio. You know, it's really hard not to look at the camera when it's a camera day. Like, two of you were in your element. Mm. I do a lot of things. The camera's there, you're just like. Times that, like, I know, like, so, like, as a cameraman, he has to, like, set, like, I saw him, like, doing the lighting thing and, like, shaking his head, like, fuck, this thing gonna work. So you're doing techniques, fine. I don't need to look at the camera when I take pictures. I'm doing techniques. Full crew of cameras. Yeah, exactly. Yeah. And we've got, like, this. Bon, quand on fait le twist tout à l'heure, puis chauffer le quad, et puis. Effectivement, parce que ici avec l'entraîneur national, le DTM Wesla et nos entraîneurs nationaux comptent tenu de les séances qui suivent à bientôt, notamment pour ceux qui ne sont pas pour le combat professionnel du 21 août. Et en plus, on le sent, c'est plus de l'envie qui sont déjà presque le matin à venir. Donc on a bien vu que ce stage soit bien stage là, présentement ça va bien. Donc là la première partie qui va s'enchaîner tout à l'heure, nous avons condition de la phase de stacking. Avec le travail de stacking avec tout ce que ça comporte. Travail de points, de chute du dernier mois qui s'est tenu, ils vont intervenir dans une phase concernant ici l'arbitrage. Pour faire certains briefings sur l'approche de l'arbitrage, surtout beaucoup d'entre vous ici en déjà dans le cadre des combats qui sont ces combats professionnels. Il y aura un volet d'arbitrage qui va suivre. Le même arbitrage, on l'aura en soirée parce qu'au terme du stage qu'on va faire, on aura que des aspects de l'assaut. On va vouloir travailler ce qu'on appelle des assauts libres. C'est-à-dire que vous verrez qui va intervenir. Ça va encore ralenti les gars. Garde. Ça ralentit, mais accélère. Garde, accélère plutôt. Allez, j'ai fait. Les gars, on arrive plus au bout, hein. Soit 10. À mon signal, j'ai mis tout top. Parce que vous êtes bon en boxe,
passer au temps à ta ça et tout le reste.
C'est d'abord de l'ouvrir. Ok. Donc on va faire ici vas-y. Ok. Reflète, stop. Je vais laisser ma jambe. Si je trouve que le crochet ne passe pas, je vais faire vas-y. 1, 2, 3. D'accord. Voilà. Les stages sont très bien. C'est une forme de recyclage. Et à la fin d'un stage, on apprend toujours quelque chose. On sort toujours avec un petit truc qu'on retient. Voilà, je fais un constat pour apprendre les coups et à rendre les coups. C'est très important. Et donc, je vous conseille de rentrer dans vos blocs. C'est un travail individuel. Je prends à donner les coups, j'apprends à accepter les coups et j'apprends à donner les coups. Je recule en gardant juste ma distance. Je ne recule pas plus. Je ne reste pas là. Étant donné que j'ai ma technique dans la tête déjà. Il avance, allez, un, on bouge. Il avance, un, on bouge, avance, un, il recule en même temps, allez, un. Tu recules en gardant ta distance, c'est tout ce que tu as fait. Ta distance de frappe. Si tu recules plus, pas moyen de frapper. Un. Je peux le toucher. Ok. Bah deux. Vous vous entendez? C'est celui qui travaille. Le coude est très important. Chaque membre joue son rôle en fait, les gars. Le regard est très important pour pouvoir lire les intentions de votre adversaire, de votre partenaire. Sa distance de frappe. Étant donné que nous sommes en MMA, rajoutez-moi le contrôle du bras. En sortant, rajoutez-moi le contrôle. Talon du sol. Pourtant, ça, on peut, tu peux te faire contrôler facilement, il te voit venir. Ici, si j'ai une mauvaise distance, je ne peux pas le toucher d'ici. Boum! C'est en bougeant que je cherche à décoller pour aller attaquer. Hein? Vous devez bouger, vous êtes ici, vous bougez, vous avez perdu votre distance de frappe. Alors vous bougez, vous faites des trucs pour le distraire et tout. Vous faites des trucs, après, boum! Je vais vous bouger. On commence à nous mauvaise distance. On se rapproche. Et puis boum, à la bonne distance, on met le relatif. On commence à une mauvaise distance. En bougeant, on se rapproche de son adversaire. Après, boum, on fait léger le relatif. C'est tout. Celui-là travaille, pas des cibles, des sports. Des sports qui n'a plus la puissance.